On compte 620 juges d'instruction en France. Fabrice Burgaud est désormais le plus connu d'entre eux. Et pourtant, on en sait très peu sur son parcours qui débute à Sciences Po Bordeaux. 5 années d'études, discret, travailleur, l'élève Burgaud y a laissé peu de souvenirs. Il y a deux moyens de se faire repérer, soit d'être un leader, ça c'est le principe du Tour de France, soit d'être la lanterne rouge. Eh bien je peux vous dire que Fabrice Burgaud, il n'était pas leader, il n'était pas lanterne rouge. T'es dans le peloton. T'es dans le peloton. Fabrice Burgaud intègre ensuite l'École nationale de la magistrature. Son classement à la sortie est moyen, 91e sur 161. À 28 ans, il obtient son premier poste au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Et 8 mois après son arrivée, en février 2001, le hasard fait atterrir sur son bureau une affaire de pédophilie dont personne ne soupçonne alors l'ampleur. Vérification sur le terrain, audition, son instruction va durer plus d'un an. En août 2002, le dossier est presque bouclé. Le juge Burgaud est muté à Paris où il est rapidement promu à la prestigieuse section antiterroriste. On le retrouve en juin 2004 à Saint-Omer devant la cour d'assises. Pendant 7 heures, il doit s'expliquer sur le déroulement de son instruction, de plus en plus contestée. Il se présentera d'abord comme un technicien du droit qui applique la règle de droit, qui n'a pas à avoir d'état d'âme, qui n'a pas un regard un tant soit peu critique à porter sur ce qu'il a fait, qui n'a pas, semble-t-il, de regrets, qui n'a pas de remords, et qui assume en réalité ce qu'il a fait. Depuis, le juge Burgaud est devenu le symbole du fiasco judiciaire d'Outreau. On ne parle que de lui, mais lui reste silencieux. À une exception près, cette interview accordée à l'Express. On y retient surtout que le juge refuse de présenter ses excuses aux acquittés. Il estime avoir, en ce qui le concerne, agi en conscience, en fonction des éléments qui étaient les siens à l'époque. Il a fait son travail pour lui, normalement. On peut toujours dire qu'il y a des erreurs d'appréciation, on peut avoir un débat sur ce point, mais en tous les cas, il n'a ni transgressé ses règles professionnelles, ni commis d'erreurs grossières ou manifestes d'appréciation. Erreur peut-être, mais pas à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle il n'entend pas s'excuser. Il y a quelques semaines, le juge Burgaud a été entendu par l'inspection générale des services judiciaires. 10 heures d'interrogatoire, desquelles rien n'a filtré. De quoi renforcer encore un peu plus l'incroyable attente autour de son audition à la commission parlementaire.